Et yep les gens, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Dodo 72 BGM, donc par contre vous ne l'entendrez pas. Donc c'est pour le DLC Hill Gotengain. Donc vous pouvez voir déjà la Pegasi Osiris, c'est la Enus. Donc elle est vraiment assez classe. Donc surtout la Enus avec la couleur du crew, elle est vraiment swag. Donc on va commencer déjà pour la Pegasi Osiris pour voir jusqu'à combien elle monte. Donc perso moi je trouve qu'elle monte plus vite que la Zenturno. Dans la descente on pourrait aller jusqu'à 140, plus vite que la Zenturno du coup. Donc voilà, donc la puissance moi elle va jusqu'à 120 et un peu plus de 120. Donc ça dépend des fois. Donc là vous voyez je suis déjà quasiment à 120. Mais bon après après vous pouvez continuer pour aller jusqu'à plus vite. Mais bon ça a un maïs de plus ou deux, donc ça sert strictement à rien pour moi. Donc voilà, donc là je vais retourner là-bas pour vous montrer jusqu'à combien va la Enus. Donc la Enus c'est une voiture tranquille où faut pas se prendre la tête. Vous pouvez voir Dodo qui vient d'exploser. Ouais, les talents de conduite, hein. Bon, bref. Voilà, donc je vais prendre la Enus. Donc, qui est vraiment assez swag aussi. Donc, c'est la Windsor Enus. Donc, elle est à Dodo. Franchement, je la trouve vraiment stylée. Donc, on va essayer d'aller jusqu'au plus vite. Si je l'ai pas essayé car elle est à Dodo. Et après on va vous montrer la Spider GT. Non c'est pas Spider, c'est la... je sais plus comment elle s'appelle. Je vous dirai... la Singer GT, voilà, merci de deux. Donc on est déjà à 100. Donc voilà, elle va à 100, 110. Donc voilà, Dodo m'a dit qu'elle est jusqu'à 110. Donc ça dépend parce qu'elle est comme... non, et non améliorée. Hein. Donc elle n'est pas améliorée mais elle va à 100. Donc c'est juste l'extérieur qui est amélioré, donc ce qui se voit quoi. Donc là, donc dites-nous dans les commentaires si c'est déjà si ces deux véhicules vous plaît. Donc nous on va faire une mini coupure pour aller vous chercher la Stinger GT. Donc moi je vous dis à tout de suite. Allez, à tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve avec la Stinger GT. Donc je m'étais trompé, c'était pas la Stinger mais la Stinger GT. Donc c'est la voiture par contre de Dodo parce que j'ai pas eu assez d'argent pour l'acheter. Donc je me suis déjà acheté la Pegasi Osiris, donc elle m'a coûté quasiment 2 millions. Donc je vais montrer après les prix des voitures, parce que j'ai oublié de vous les montrer. Donc là, c'est vraiment assez classe, donc elle est améliorée à fond normalement. Donc on y va, go. Par contre, pour gagner les chiffres, c'est chaud. C'est tout petit. Enfin, un bruit d'enfer en tout cas. Elle est vraiment stylée. Donc franchement, voilà. Mais stylée, mais sans plus. Voilà quoi, elle est bien. Pour voilà, mais sans plus, enfin perso j'ai rien d'autre à rajouter. Donc moi là, si je vois bien ça faisait du 110, ouais 110 115, et elle est pas améliorée. Non je me suis trompé. Donc voilà, donc comme c'est pas ma voiture, il y a juste une voiture, voilà. voilà, donc moi celle que je vous conseille c'est la Enus Windsor et la Pegasi Osiris, celle que je vous conseille les plus. Donc on va tout de suite aller pour vous montrer les prix des véhicules et des avions et hélicoptères. Voilà. Et qui est vraiment abusé, donc Rockstar ont vraiment fait fort sur ce coup là. Donc direction, voilà. Voyage de transport. Elitas, donc voilà. Donc Luxor de luxe, 10 millions d'euros. Donc regarde, moi il me reste que 168 000, donc j'ai pas pu me l'acheter. Et franchement je l'aurais même pas acheté si j'aurais eu l'argent. Donc je trouve vraiment que c'est vraiment de l'arnaque. Swift de luxe. Donc voilà, donc il monte juste un ordinateur de bord, je sais pas ce qu'on peut faire de plus, mais bon, voilà. Pour 5 150 000 dollars, même ceux qui ont fait des glitchs, ça va être chaud pour eux quoi. Après Legendary Motorsport, allez go. Pegasi Osiris, 1 950 000, donc ça c'est celle que j'ai acheté. Donc voilà. La Benefactor Training GT, donc c'est celle que je viens de vous montrer, 975 000 dollars. Franchement, c'est abusé, je trouve. Et la Albany Virgo, donc pour une voiture comme ça, être à 195 000, je trouve ça vraiment abusé. J'aurais mis vraiment à 70 000 perso pour moi. Voilà, moi je trouve qu'elle a rien de plus que les autres. Voilà. Et la Enus Windsor, personnellement, j'ai montré un peu tout ce qu'il y a, elle est vraiment swag. Hein. Mais le prix est encore trop abusé. Voilà, et elle me dit aussi oui, donc j'ai oublié de vous le préciser, les sites ont changé, donc là c'est les prix, c'est les nouveaux véhicules qu'il y a. Donc après, c'est les stocks exclusifs comme ils disent, voilà. Donc voilà. Après, Warshock, il n'y a rien de spécial, il y a juste le site qui a changé. Voilà.
Les bateaux, il n'y a rien qui n'a changé, juste le site. Pour les pédalages, je suis pas allé voir ce qu'il y a, s'il y avait des nouveaux vélos ou pas. Non, il n'y a pas des nouveaux, à ce que je vois. Tu peux faire remarquer que la pelote de Super Sport, je peux oublier son nom. Et voilà. Elle fait le même prix que la Circus avec. Donc c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour les prix. Donc si vous avez vu des choses que j'ai oublié de vous préciser, dites-moi dans les commentaires. Donc on va se retrouver après. J'ai fait une mini coupure pour les vêtements. Et je vous dis à tout de suite. Allez. Just one more time.